Bonjour, je m'appelle Awen de Laval. J'ai créé l'entreprise sociale Samatoa en 2003 dans l'objectif de créer des produits innovants à base de fibres végétales. Nous avons créé un laboratoire de recherche et de développement et nous avons réussi à créer des tissus uniques à base de bananiers, kapok, nénuphars, ananas et bien d'autres encore. C'est en 2009 que j'ai découvert qu'il y avait une fibre à l'intérieur du lotus qui a été utilisé pour faire des robes pour les moines les plus vénérés en Birmanie depuis très longtemps. Et quand j'ai découvert cette fibre, j'ai trouvé qu'elle était douce et elle avait des propriétés exceptionnelles. On a passé beaucoup de temps pour essayer d'en obtenir un tissu d'une qualité irréprochable qui pourrait correspondre à un marché du luxe. Parce que les techniques utilisées pour créer la fibre lotus prennent énormément de temps et respectent au maximum la nature. Le tissu de lotus a des propriétés tout simplement exceptionnelles puisqu'il est à la fois doux, super respirant et quasiment infroissable. Donc sur cette base-là, les designers dans le monde du luxe étaient très intéressés par ce tissu-là, mais on a dû travailler sur les techniques à la fois birmanes et cambodgiennes dans le but de les développer et d'obtenir un tissu d'une bien meilleure qualité qui correspondait au marché qui s'intéressait à cette fibre-là. Donc nous avons travaillé principalement sur les techniques de filage en développant notre propre process qui nous permettait d'abord, dans un premier temps, d'obtenir un fil régulier et sans aucune imperfection. La deuxième chose, c'est que nous avons utilisé les techniques traditionnelles cambodgiennes de tissage pour être capable de tisser ce fil qui était bien sûr beaucoup plus fragile et délicat que le fil de soie avec lequel ils avaient l'habitude de travailler. Donc nous avons transformé ces outils traditionnels pour en obtenir un tissu qui correspond aujourd'hui à la demande. Pour créer du tissu de lotus, comme ça se passe, en fait, le matin, de très bonne heure, les fermiers vont récolter les tiges des feuilles et des fleurs de lotus. On va utiliser 500 kg de tiges pour 10 personnes qui vont ensuite être nettoyées pour enlever toutes les aspérités sur la tige et pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions avec une tige propre, sans aucune aspérité, pour que les fileuses puissent travailler sans s'abîmer les mains et travailler dans la qualité. Elles ont ces tiges propres, elles vont les casser autant de fois qu'il le faut pour obtenir un fil d'une qualité standard, environ une douzaine de couches par fil, et elles vont imbriquer ces fils les unes aux autres dans le but d'avoir un fil d'une longueur illimitée, sans aucune imperfection, auquel cas il casserait pour la prochaine étape, qui est l'étape du tissage, qui est également une étape très délicate et qui nécessite une bonne préparation du fil. Une fois ce fil réalisé, il sera bobiné, puis tissé, grâce à ces métiers traditionnels cambodgiens améliorés. Et nous obtiendrons un tissu fini sur lequel ne sera appliqué aucun traitement, c'est-à-dire que pendant tout le process, et c'est ce qui explique pourquoi le lotus est le tissu le plus écologique au monde, c'est que pendant tout le process, nous n'utilisons ni électricité, ni gaz, ni pétrole, ni aucun produit chimique du début jusqu'à la fin du process, garantissant un tissu d'une qualité environnementale exceptionnelle. C'est aussi un tissu qui offre la possibilité de créer énormément d'emplois puisque principalement la valeur de ce tissu c'est de la main d'œuvre, c'est des femmes défavorisées des villages qui n'ont pas besoin d'éducation et qui vont apprendre un nouveau métier. On va s'assurer qu'elles ont des conditions et un art de travail qui vont leur permettre de s'émanciper et de travailler avec cette fleur qui est magique.